Hey, salut à tous, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de mon Solex 3800 MBK bleu. Je vous fais découvrir avec vous l'histoire d'acquisition de ce Solex et ainsi sa restauration. Donc le voici, donc c'est un Solex qui a été construit entre 1986 et 1988. Donc en 86, en fait, pour la petite anecdote, Yamaha rachète la marque Motobécane. Et en 88, Yamaha décide d'arrêter la production française du Solex. Alors ce modèle, je dirais plutôt cette édition MBK, existe en 4 coloris. Donc le bleu, comme vous pouvez voir. Alors il a été produit aussi en noir, bleu, comme je disais, blanc et rouge. Voilà. Donc il a existé 4 coloris. Alors, petit aparté pour vous expliquer d'où vient mon coup de cœur pour cette édition du 3100 MBK. Donc en fait, ça vient tout simplement du livre de Franck Ménéret et de Jean Goyard, Le vélo Solex de mon père. Et je vais vous montrer les fameuses pages où j'ai vu cette édition, où j'ai eu le coup de cœur. Donc voici les fameuses pages en page 116 et 117, voilà. Donc on voit bien des différentes images du 3800 Motobécane. Donc là, c'est sur un Motobécane phase 1, et ici un phase 2. Et voici le 3800 MBK sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Donc sur le style, c'est pour ça que j'ai voulu ce modèle. Ça a été vraiment le coup de cœur. Et différents coloris qu'il y a eu, hein, voilà, le bleu. Donc le rouge, le noir, le bleu et le blanc. Mais bon, dans ma recherche, j'ai trouvé un bleu. Peu importe la couleur, ça me convenait. Voilà, donc c'est de là que vient mon coup de cœur. Alors, l'acquisition de ce Solex s'est fait tout simplement sur la base d'un vrai cadre de 3100 MBK bleu. Hein. Je suis parti tout simplement d'une épave. Voilà, il n'y avait pas de roue, pas de moteur. Voilà, par contre, il y avait le pédalier et le reste. Voilà, il y avait le reste. Non, il n'y avait pas le guidon par contre. Il n'y avait pas le guidon, pas les poignées plastiques. Voilà. Donc je vous montre les photos de toutes les étapes de la restauration jusqu'à sa première mise en service. Alors ce qui change avec les précédents 3800, hein, comparé aux équipements, donc sur le son en ensemble, donc ce qui change c'est voilà les poignées en plastique, voilà les poignées sont en plastique, les leviers de frein sont en plastique, donc c'est vraiment une nouveauté sur le 3100 MBK, donc voilà ce qui change, hein, on n'est plus sur des poignées intérieures qui se recrouvillaient, comparé au 3100 Motobécane phase 2 où vous avez une poignée recrouvillée avec une poignée boulée, voilà, là ici elle est toute en plastique. Les poignées plastiques, hein, typiquement au MBK, mais là, étant à la base une épave, donc il n'y a pas le logo M, hein, donc c'est pas des vraies poignées MBK, mais des poignées plutôt 3100 Impex. On est plutôt proche sur du modèle hongrois. Ça a été acheté chez VSX France. Le guidon est beaucoup plus large, voilà, plus écarté, beaucoup plus écarté. Alors, j'ai pas pris les dimensions, mais si vous voulez un peu la largeur de mon bras, voilà, voilà pour donner un ordre d'idée. Donc c'est beaucoup plus écarté. Quelle que soit la couleur du cadre, hein, les éléments en plastique moteur sont toujours noirs, hein, que ce soit le noir, le blanc, le bleu et le rouge. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Voilà, l'adoption aussi d'une optique de phare en vert. Hein, donc
C'est du vrai verre, hein. Ouais, c'est, voilà. Donc il y a des inscriptions là, je vais essayer de regarder. Le carburateur, alors, ah le voilà. Alors il faut vraiment le voir. Regardez bien, je me rapproche au plus près, voilà. Le logo M65. Voilà, le logo Motobécane qui est juste là. Donc ça c'est une spécificité du 3100 MBK. Alors sur la partie cadre, ce qui est spécifique au 3100 MBK, ce sont les catalyopres. Voilà, vous trouvez des catalyopres juste ici et ici. Et on en trouve aussi de l'autre côté. Voilà, voilà, ici et ici. Voilà. Et ce qu'on retrouve par rapport aussi au 3800 Motobécane phase 2, je ne sais pas s'il y a sur le phase 1, voilà, c'est le petit support d'antivol. Voilà. Donc là je n'en ai pas, mais à l'origine on pouvait en option, si on achetait, mettre un antivol juste ici. Une autre spécificité des 3100 MBK, c'est le ressort de selle, qui n'est pas la même couleur que la carrosserie, mais à l'origine il est zingué. Alors moi, pour le rendre un peu plus joli, je l'ai fait tout simplement chromer. Autre spécificité des 3100 MBK, donc le phare en losange avec le logo M, comme les 3100 Motobécane. Tout comme son prédécesseur, le 3100 Motobécane, c'est la portée de la pompe à air, voilà, la pompe pour gonfler les pneus, qui est plus courte par rapport à l'origine. Vous avez la première patte qui est là et la patte d'en face, comme tous les 3800. Autre caractéristique du 3800 MBK, c'est le logo Solex en plein milieu de la poutre. Donc c'est la seule édition de Solex, hein, voilà, le 3800 MBK qui a le logo en plein milieu de la poutre, le logo Solex. Et de l'autre côté aussi, on peut le voir, voilà. Donc juste ici, voilà, vous avez aussi le logo Solex en plein milieu de la poutre. Alors concernant les touches de personnalisation sur ce Solex, j'ai tout simplement rajouté une petite sonnette Decathlon Bitwin, alors qui est à origine un peu chromée, mais j'ai l'impression que c'est un peu terni. J'ai rajouté un petit coupe-circuit à l'arraché, qui est juste là, voilà. Donc comme tous mes Solex de compétition, c'est une sécurité qui est obligatoire, requis par l'UFOLEP, voilà, dans le règlement 50 à Calais. Mais Solex routier, c'est un antivol. Alors sur l'autre touche de personnalisation, j'ai modifié le pot d'échappement. Vous voyez, hein, pour ceux qui connaissent bien le Solex, le pot d'échappement est légèrement modifié, donc il n'est pas droit à l'horizontale et il n'est pas fixé à ce niveau-là au niveau du garde-boue. Donc il est un peu plus grand à l'ouverture au niveau de la courbe, et j'ai rajouté un petit tube de fuite, enfin un petit, un bon gros tube de fuite, ce qui fait qu'il fait un beau bruit de pétardage, voilà, et aussi du pop and bang, comme disent les anglophones, voilà. Autre touche de personnalisation, donc j'ai pas mis des pédales origine 3100 MBK, mais des pédales Decathlon Bitwin antidérapantes, ainsi que des sacoches Bitwin, pour donner une petite touche de modernité. Sachant que c'est un Solex le moins vieux parmi les 3100 et aussi parmi les Solex, donc c'est assez cohérent par rapport à cette édition du 3100 MBK. Dernier détail, la couleur. Donc en fait c'est un thermolaquage, voilà, donc c'est de la peinture thermolaquée, et le code couleur est un RAL 5019 brillant. À sa première restauration, voilà, il ressemblait à peu près à ça. Les seules choses que j'avais oublié de restaurer à la première restauration, donc c'était le pot d'échappement et le système des pédaliers, qui, bon, aujourd'hui est chromé, mais à la première restauration, il n'était pas du tout chromé. Voilà, donc on peut voir les bras de pédale chromés, mais à la première restauration, ce n'était pas le cas. Encore un autre travail de restauration, j'ai ajouté des coiffes. Voilà, sur la première restauration, il n'y en avait pas. Et en plus, je les ai fait chromer. Donc là, on est au soleil. Regardez bien, voilà le chrome. Voilà, donc ça, ça a été rajouté à la deuxième restauration. C'est en 2016, suite à la casse du bas moteur lors de l'événement des 70 ans Solex aux Pays-Bas, que j'ai décidé d'entreprendre la réfection du moteur en mettant un carter usiné de chez Marcel Van de Vin. Alors je ne sais pas si on voit bien, alors faut le voir un peu en dessous. Voilà, là vous voyez, c'est une pièce usinée, voilà, de chez Marcel Van de Vin. Alors, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc j'ai refait le carter moteur, enfin j'ai refait le moteur entièrement aussi. Alors il y avait une petite merdouille au niveau
de l'axe de direction. Alors il y avait cet écrou, alors pas celui-là, mais ce type d'écrou qui s'était mis de travers et qui avait complètement foiré le filetage du tête fourche. Donc j'ai dû racheter un tête fourche d'occasion en très bon état, et c'est à partir de là que j'ai entrepris la deuxième restauration. Voilà, donc je disais, j'ai entrepris la deuxième restauration. Alors, autre détail dans la restauration aussi, pour éviter d'abîmer la peinture, j'ai mis de la guidoline sur le porte-bagages et les haubans de porte-bagages. Donc là, on le voit, je ne sais pas si on le voit aussi en face. Voilà, j'ai mis de la guidoline pour éviter que la sacoche abîme la peinture. Alors, petit tour du Solex. Hein. Donc, il y a les sacoches, ça c'est un truc personnalisé. Voilà, donc j'ai refait les chromes, hein, voilà, partout. Donc les bédales ont été refaits à la deuxième restauration. Ce que j'ai fait en plus, c'est mettre des surpattes pour protéger de l'usure des pointes, parce que généralement quand on a racheté des Solex d'occasion, les pointes de béquilles sont bouffées. Donc j'ai mis des surpattes à la même couleur que le cadre. J'ai mis aussi des petits feutres pour protéger la peinture de la béquille et du support de pédalier, voilà. Voilà, la bavette, enfin le collier de bavette est chromé, la visserie est chromée, voilà. On retrouve des chromes partout, même à la visserie là. Le guidon a été acheté neuf sur eBay via la vendeuse Noémie Laser. Voilà, donc si vous recherchez sur eBay, sur le Noémie Laser, voilà, j'ai acheté ce guidon. Le crochet a été rechromé, mais dans l'autre sens, parce que c'est beaucoup plus facile pour accrocher comme ça. Si je l'aurais mis dans l'autre sens, et hein, j'aurais dû tordre la poignée, mais elle aurait été cassée, voilà. Donc les éléments aussi moteurs ont été chromés, donc le levier de boisseau a été chromé, la vanne starter a été chromée. Je vais vous montrer aussi les glissières, voilà, les glissières aussi ont été chromées, hein, même la boulonnerie. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc, voilà, comme ça, voilà, tout ça a été chromé. Voilà, même les éléments de fourche, même le tendeur de frein est chromé, voilà. Donc j'ai vraiment mis du chrome partout, mais c'est quand même beaucoup plus joli. Même le levier de décompresseur a été chromé. Les entretoises de culasse aussi ont été chromées, voilà. Et ainsi que la vis du capot phare. Les plastiques sont neufs, enfin ils ont été neufs, voilà. Donc tout ça a été acheté chez Mobilex Paris, voilà. Les roues sont bien sûr neuves, puisque à la base, comme étant une épave, il n'y avait pas de roues, donc j'ai acheté des roues neuves, voilà. La chaîne a été changée, donc voilà. J'avais une chaîne quand j'ai acheté l'épave, mais elle a été changée, pour histoire de partir sur du neuf, voilà. Donc je vous laisse admirer la chaîne qui est complètement neuve, voilà. Donc le pignon est neuf. Globalement, c'est un sexe, on va dire, à moitié neuf, voilà. La câblerie de frein a été entièrement refaite à neuf, voilà, donc c'est des câbles de frein aussi qui viennent chez Decathlon. Pareil pour le câble de décélération, alors par contre ça c'est plutôt un câble dit câble de décélération, enfin plutôt câble d'accélérateur de la MBK. Voilà, donc les câbles sont neufs, voilà, vous pouvez le remarquer. Ainsi aussi le câble du décompresseur, voilà, qui est juste là. Alors je vais le mettre comme ça pour mieux voir. Voilà, donc les câbles de frein, le système de frein a été refait à neuf. Mais aussi le Solex est assuré et immatriculé. Donc il est tout à fait prêt pour rouler. Vous pouvez retrouver les photos de mon 3800 MBK sur mon Facebook et mon Instagram. Je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo. J'espère que cette présentation de mon 3800 MBK bleu vous a plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.